Bonjour tout le monde, bienvenue. Je me présente, moi c'est Christelle. Vous pouvez me retrouver aussi sur Insta sous le pseudo de Fil en Couture et puis sur YouTube, hein, forcément. Si vous êtes là, c'est que vous m'avez trouvé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul couture, non pas du tout, pour un haul tissu. Et voilà, donc j'ai commandé chez Driesenstofen la semaine dernière, fin de semaine dernière, je l'ai reçu cette semaine. Nous sommes le 31 janvier, dimanche. Aujourd'hui, je filme dans ma chambre. Car monsieur est dans le salon, il regarde la télé, enfin voilà, il se détend. Aujourd'hui, on va parler de tissus, hein. Je vais vous montrer les tissus que j'ai reçus. On commence. Le premier, alors j'ai tout, hein, voyez, hop. J'ai tout noté parce que en fait, je sais pas, mon imprimante n'avait pas envie d'imprimer la facture. Bon, ça va, il n'y a pas énorme. Alors j'ai commandé 9 coupons, j'en ai reçu 10. Donc je vous montrerai le dernier. Je sais pas s'ils ont voulu, ou si c'est une erreur, s'ils ont voulu, je sais pas, liquider ce qu'il leur restait, je sais pas. Je me suis dit pour un. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup que j'envoie un mail. Je vous le montrerai à la fin. Le premier, c'est un scuba crêpe écru, blanc écru. Dans ce sens. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc voilà. Il est hop. Montrer un peu plus. Super, enfin voilà, un super tombé. Par contre, il est lourd, il est épais, mais c'est un scuba épais, hein, quand même. Bien extensible dans ce sens-là. Voilà, dans l'autre sens. Aussi, plus même. Voilà, alors il blanchit un petit peu, on voit un petit peu là au niveau de la fleur. Ouais, bon, après, voilà, hein. Je vais peut-être pas non plus l'étirer à ce point-là dans le patron que je ferai. Donc de l'autre côté, il est blanc, hein, c'est du scuba. Alors c'est vrai que. C'est pas trop mon style, enfin pas mon style, mais j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que les fleurs, tout ça, voilà, c'est pas dans mes habitudes dans mes tissus, quoi. Donc voilà, j'essaye, je verrai bien. J'en ai pris 1,50 m et il était à 4 euros du mètre. Donc je vais voir, je vais peut-être faire un. J'avais pensé une lucette. Là, par contre, en robe. Parce que comme il est épais, pour l'été ou même le printemps, peut-être avoir chaud quand même. Ouais, je vais voir. Je pense que ce sera ça, une lucette. Alors ensuite, j'ai voulu tester, je ne connaissais pas. Un sergé satiné. Alors, comment vous dire? Alors, je le trouve super beau, le tissu, la couleur, ouais, vous avez les bonnes couleurs là. Ouais. Mais alors, oh, ça glisse, mon Dieu! Et j'avais mon scuba qui était posé dessus, il tenait pas. Tellement ça. Voilà, c'est satiné, hein,
Voilà. Donc vert, les feuilles et un petit peu là, les... C'est vert... un vert kaki, vert armé. Je crois que c'est comme ça qu'il s'était noté. Donc, bon, j'ai voulu essayer. J'en ai pris 1,70 m. Alors là, va falloir que j'achète du Fabulon parce que oh, déjà qu'avec certaines viscoses, galère un peu. Mais alors là, pour coudre ça, alors, avant de coudre, pour couper déjà, parce que alors, oh, allez couper ça sans que ça glisse dans tous les sens. Bonjour. Donc voilà. Je vais voir. Ça, je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Je vais... Du coup, je vais voir. Donc, il était... J'en ai pris 1,70 m. Et il était à 3 euros du mètre. Voilà. Mais alors, il est super doux. Oh, franchement, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, ensuite, un jersey gris. Alors, vous m'excuserez de la prononciation. Osbronner. Voilà. S'il y a des Hollandaises dans le coin, je suis preneuse pour des cours. Donc, alors, c'est un jersey. Hop. Alors, je ne pensais pas du tout qu'il allait être comme ça. Vous voyez? Hop, il est transparent. En fait, c'est floqué. Les fleurs sont floquées sur le tissu. Alors, il est super beau, mais voilà, il va falloir que je le double. Je pensais pas du tout. Vous voyez, on me voit à travers. Voilà. Donc, mais il est sympa. Ou alors faire un home, puis mettre un petit débardeur blanc, vous savez, à fine bretelle, en dessous. Donc, bon, bah derrière, il est, voilà, hein, c'est floqué, hein, c'est, ouais, c'est ni plus ni moins collé, quoi, en fait, hein. Les fleurs sont collées dessus, hein. C'est pas, j'espère que ça bougera pas. Donc, c'est pareil, hein, il est lourd quand même. Voilà, il a une bonne fluidité, mais il est lourd. Donc c'est du jersey, donc voilà, élastique dans ce sens-là. Dans la laise, oui. Aussi. Alors, un petit peu plus résistant, mais il y a aussi de l'élasticité dans les deux sens. Donc voilà. Donc ça du coup, je vais voir. M'en faire, oui, je pense un petit haut, une petite blouse, je ne sais pas encore. Mais voilà. Parce que doubler, je ne vais pas pouvoir le doubler dans la même matière. Ça va pas. Vous voyez, là, il est plié en deux. Je sais pas. Non, moi j'avais plus pensé à mettre un petit top à bretelles fin en dessous. Donc, ouais, donc à voir. Donc, ensuite, j'ai pris un lin viscose vert armé. Alors, ça, c'est pour en faire des shorts. Ah oui, je vous ai pas dit l'autre d'avant, j'en ai pris 1,50 m, il a 3 euros du mètre. Donc, ça, le lin viscose. Ah, vous avez les bonnes couleurs. Alors, le rouge, là, il est bien. Vous voyez, un rouge bien pétant, il est un petit peu moins. Un petit peu moins rouge vif. Mais. Le rose est comme ça aussi, il est bien. Mais c'est le rouge est moins vif. Mais donc je pensais en faire des shorts. Je trouve super
Ça rend super bien, je trouve, le rouge. Le rouge et le rose sur le kaki, là. Je sais pas, je trouve que ça fait sympa. Ouais. Donc, un lin viscose, hein, comme ils font régulièrement chez Dressenstoffen. J'en ai pris 1,50 m. Et ils sont à 4,99 € du mètre. Donc, là, ils en ont sorti pas mal. Commence à mettre les tissus bah, pour le printemps, été. Même si c'est vrai que le temps ne s'y prête pas trop. Mais je commence, moi, tout doucement à coudre. Bon, là, je ne vous parle pas de ce que je porte. Parce que je vais vous en parler dans une autre vidéo, dans un podcast. Parce que c'est une blouse que j'ai faite là au mois de janvier. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors, après, j'ai pris une viscose stretch. Alors, couleur sable et cru. Voilà. Alors ça fait un petit peu comme si c'était du lin, comme le lin viscose. Alors moins épais, mais au niveau du tissage, ça y ressemble, je trouve. Vous voyez, on voit que c'est un peu strié. Je sais pas si vous voyez là sur le. Là, à ce niveau-là, là. Et on voit un petit peu de le tissu un petit peu quadrillé, enfin, je ne sais pas comment dire. Donc, elle est stretch, alors pas dans le sens de la laise, hop, dans l'autre sens, voilà un petit peu de, voilà, d'élasticité. Donc ça, pareil, bah, je sais pas, peut-être une blouse ou un short, à voir. Moi, je trouve, voilà, il est simple, enfin, il n'est pas tape à l'œil, mais pas mal. Pas trop, j'ai pas l'impression qu'il soit trop transparent, petit peu léger, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus, pas mettre de culotte noire, quoi, c'est tout. Si je fais un short ou un soutif noir, si je fais une blouse, mais voilà, quoi. Donc ça, j'en ai pris 1,50 m. Il était à 4 € du mètre. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai pris du jersey écru, uni. Donc tout simple. Hein. Voilà. Je me suis dit des fois pour hop, hein, dans un haut ou. Voilà, on est prêt à mettre. Hein. Enfin, voilà, hein, c'est le jersey. Je crois pas que ce soit le coton. Pourtant, il est à ce prix-là. Le jersey coton. Il me semble qu'il est à 5 €, je crois, 5 € du mètre. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le jersey coton. Il est plus fin. Le viscose. J'avais déjà acheté du jersey viscose, mais je sais pas, il me paraissait plus, comment dire, plus lisse, plus, je sais pas, alors je sais pas trop. Jersey, tout simplement, un jersey écru, hein, on va pas se casser la nénette, c'est du jersey blanc. Excusez-moi pour la grimace, mais ça me chatouille. Voilà. Ensuite, donc oui, j'en ai pris 1 mètre et il est à 5 €. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Après, j'ai pris un crêpe extensible blanc. Hop. Voilà. Alors ça y est, on repart dans les petites fleurs. J'essaye de. Voilà, je sors un petit peu de ma zone de confort, malgré que ma fille n'aime pas.
Encore des fleurs, encore des motifs, maman. Et oui. Donc voilà. Petites fleurs roses et des. Je sais pas, des. Oui, des fleurs vertes, on dirait que c'est les mêmes que les roses, mais vertes. Donc voilà. Donc c'est un crêpe. Pas transparent. Non, il n'est pas transparent. Donc, hop. Donc, de l'élasticité dans la laise. Et dans l'autre sens. Ouf, un chouïa, mais pas non plus. Voilà. Hein. Pas des masses non plus. Voilà. Donc, bah, peut-être des petites blouses, des. Ouais, à voir. Ou bien l'épée, mais elle a une bonne bonne fluidité. Je sais pas si le blanc comme ça, le crème, au teint, je sais pas ce que ça donne. Je sais pas. Bon, écoutez, hein, après, hein, on verra bien. Donc, il est. J'en ai pris 1,50 m, il était à 3 euros du mètre. Ensuite, donc le, enfin le même, c'est un crêpe aussi extensible, couleur corail. Voilà. Donc, alors celui-là, il fait plus. Pourtant, c'est le même. Mais il fait plus. Non. Ouais, je sais pas. Ou alors, c'est. Je sais pas l'effet que ça donne. Il fait plus gaufré. J'ai l'impression que l'autre d'avant. Hop. Voilà. Donc il est couleur rose, corail, j'ai pas trop l'impression, je dirais plus rose, des petites fleurs blanches, des petits points blancs. Voilà. Alors, donc là, bah, pas beaucoup de. Élasticité dans l'autre sens normalement, voilà, les plus extensibles par là. Donc 1 mètre, j'en ai pris 1,50 m, il était à 3 euros. Voilà. Ensuite. Ensuite, donc. Alors, ça, pardon. C'est un. Une viscose. Alors, j'appelle ça viscose oiseau de la flore. Voilà, voilà. Couleur brique. Alors là, il fait plus rouge. Et plus. Normalement, il est plus. Il fait plus. Je sais pas comment vous dire. Il est plus. Il fait plus marron, plus écureuil en fait. Ouais, là, il fait vraiment vif. Si je me recule. Non, là ça fait rouge. Non, là, vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Il fait vraiment écureuil. Ouais. Donc c'est une viscose avec des petits oiseaux.
Ouais. Voilà. Donc, bah, viscose, hein, pas d'extensibilité, évidemment. Ça, c'est le dos, il est. Voilà. Et j'en ai pris 1,50 m. Il était à 4 euros du mètre. Ouais, il fait vraiment. Là, non. Vous voyez, rouge, j'ai l'impression. Il fait plus, ouais. Non. On n'aura pas la bonne couleur. Oui, c'est comme ce que je porte. J'ai l'impression que c'est rouge, mais en fait, non. En fait, c'est la même couleur. Ouais, c'est la même couleur que le tissu. Mais ouais, non, ça, c'est pas les bonnes. Tant pis. Faudra me croire. Oh, j'adore toujours. Donc je vous ai dit, hein, j'en ai pris 1,50 m. Il était à 4 euros du mètre. Je vous remettrai dans la petite barre là en bas. Je vous remettrai les prix. Alors après, je ne sais pas s'il y en aura encore. Je n'ai pas été voir. Vous regarderez, hein. Et donc là, le dernier. Alors, donc le dernier que je n'ai pas commandé, que j'ai reçu, et qui, à mon avis, alors, je ne sais pas s'il était pour une autre commande de quelqu'un d'autre ou quoi. Parce qu'il a plein de peluches. Vous savez, l'intérieur des suites. Ou de l'Alpenfliss. Il y en a plein. Donc, c'est une. Donc, je suppose une popeline de coton. C'est ce que l'impression que ça me donne. Alors, voilà. Donc, bleu. Alors, j'ai regardé. Il n'y était plus celui-là. Mais parce que je voulais voir à peu près le prix. Donc, si c'est bien ce que je pense, ils sont à 4,95 € du mètre, mais il n'y en a plus beaucoup. Et celui-là, c'est sûr qu'il n'y en avait plus. Il y en a qui lui ressemblent, un peu dans le même style, mais pas celui-là. Ça, c'est sûr qu'il n'y est plus. J'en ai 1,50 m. J'ai eu toutes les bonnes mesures. Même eu bien souvent entre 10 et 20 cm de plus que ce que j'avais commandé. Donc ça, c'est pas trop mon délire, cette couleur. Alors, je sais pas, j'avais pensé un petit top, genre le top, top Jacqueline. Mais je sais pas, parce que je crois que, si j'ai bien compris, je crois que le top Jacqueline, c'est pour les femmes qui ont quand même de la poitrine. Donc bon, voilà, hein, on voit pas beaucoup, mais voilà. Désolée, mon mari. Donc oui, donc je vous disais, peut-être le top Jacqueline, mais il me semble qu'il est conçu pour comment? Pour les femmes qui ont la poitrine, même s'il est élastiqué derrière. Donc je ne sais pas. Dites-moi si vous l'avez déjà fait et que vous n'avez pas une grosse poitrine. Que je sache avant de l'acheter, parce que je ne l'ai pas acheté encore. Donc voilà. Donc ce coupon. Je ne sais pas si c'est un cadeau, si c'est un. Si c'est enfin un loupé, je sais pas. Donc je me dis, bon bah, pour un tissu, je vais pas. De toute façon, ils vont pas me dire de le renvoyer, donc j'ai envie de dire, tant pis. Tant mieux pour moi, tant pis pour eux. Mais voilà. Donc voilà, on a fini le tour de mes tissus. Je tenais à remercier toutes les, oui, toutes, je pense, toutes les nouvelles abonnées depuis ma dernière vidéo. Tous les petits messages gentils, adorables, super, voilà. J'adore. Et puis, de toute façon, on va se retrouver aussi dans une autre vidéo podcast.
pour le mois de janvier, de ce que j'ai cousu au mois de janvier. Donc là, on est le 31. Cet après-midi, je couds encore un sweat pour mon fils, donc qui fera partie aussi des coutures de janvier. Et puis voilà. Donc, bah écoutez, je vous dis à bientôt et bon dimanche!